Moi, merci. Est-ce que tu as acclamé pour Dieu? Cette famille-là. Tu vois la fille ici là. Elle va voyager. Acte 16, verset 4 au verset 28. Le frère là qui a le problème des pensions. Donc on ne peut pas lire ça là pour qu'on note. Tu vois les choses qui marchent dans le corps de ces femmes. Ils ont fait des années et des années. Mais c'est parti. Dans l'ongoli, dans ce pied, dans le colo, dans l'œil, dans l'issou, le symbole satanique, et le bois satan, dans la paix, et paix satanique, dans le repos, paix satanique, dans la visibilité, paix satanique, dans le miracle, paix satanique, à cette jeune fille, le coup de fil que tu vas avoir ce soir, le colo mondial, quand j'en ai pas parlé, l'eau, va changer son histoire, et bon, voilà, le solo naïe, mais Seigneur, colo, on a bloqué son voyage. Loba Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Nazo soit puissant soyo. Nazo soit puissant soyo. Oui, kotaka la prison. Oui, kotaka la prison. Nabimi. Nabimi. Nabimi prison le long. Nabimi prison le long. Loba oh prison nyo so batie la kinga. Prison nyo so batie la kinga. Y'a ni bosso. Y'a ni bosso. Y'a katikat. Y'a katikat. Y'a intérieur. Y'a intérieur. Mon colonel, on va t'éviter. La petite n'a pas été même au sala. Ne refusez pas. Thank you.
Nous avons quelque chose, nos frères, nos opérés à l'éloi. Nous avons quelque chose, nos frères, nos opérés à l'éloi. Comment on a dit que nous avons la perte, frères et sœurs? Nos frères, nos opérés à l'éloi, nous avons battu la vie. Nous avons comprendre que Dieu est reconnaissant. Comme Dieu est reconnaissant, j'ajoute quelques années. Na bon moyen yo. Na le temps mon yo. Na parcours na yo. Na di pala na yo. Na ndaku na yo. Na pala na yo. Na musala na yo. Zamba zo ajouter quelque chose. Ma sœur tellement si ezali yo. Peut-être frère je peux aller lo. Et ça qui pour Zamba bati la yo. Bande comme suis amour ba za côté kuna tala. Nini en frère amana ni bosona bino corbe ya mwa ni bosona bino. Quelle mon pesa quelque chose. Dieu va te bénir. Oh merci Jésus. Merci, tu m'as fait grâce, Seigneur. Na mérita qui t'aime colo. Leona Moni Soussou, évêque président de l'ILES. Après 2010. On est venu pour la gloire de Dieu. Je ne sais pas qui t'a invité, mais je t'informe que profiter de ce temps pour que tu obtiennes quelque chose.
Moi, je ne suis pas venu pour un discours. Je suis venu t'apporter quelque chose. Et prophétiser quelque chose. Je veux pour que tu guérisses. Alors que tout le monde vraiment s'élève. Enlève la fatigue, enlève. Nous commençons le marathon. Parce que dans 2 mois nous serons à Massina au stade. Dans 2 mois encore nous serons à Kitambo au stade Vélodrome. J'ai voulu cette journée de mardi où les gens ne sont pas habitués à faire des croisades. J'ai voulu qu'on fasse ces croisades aujourd'hui. Merci à tous les pasteurs, des NRC, les alliés et tous ceux qui ont cru en moi. Merci à tous les héros dans l'ombre qui sont dans les maisons. Ne sortez pas parce que je vais terminer avec vous. Je vais répondre aux gens qui disent que Dieu n'existe plus. Dieu n'existe plus. J'aimerais que ce soir que tu puisses voir le direct dans ta propre vie. Que tu vois le vrai Dieu qui opère bio. Tu vas vivre des miracles ce soir. Que tu dois croire, tu dois dire ouais, Dieu existe. Alors, connecte-toi mon Dieu maintenant. Élève tes mains tout droit vers le ciel. J'ai entendu cet homme il y a des années. Et je vais le vivre maintenant. J'élève ce matin. Quelle que soit la maladie que tu es entré avec. Quel que soit le problème que tu es entré avec. Je suis venu casser le fondement satanique. Dans ta vie. Dans tout ce que tu penses. Dans tout ce qui s'est passé tout au long de ta vie. Congo est en train de traverser une crise spirituelle de haut niveau. Je vous avais annoncé ça depuis 2021 l'ouverture. Et la plus mauvaise année que le monde ait existé. C'est le 2022. Vous allez voir jusqu'à la fin de 2022. Vos yeux verront les choses que vous n'avez jamais vues. Quelque chose va se passer dans 10 minutes. Je reprends. Quand tu vas rentrer à la maison, que Christ te dit, le monde entier me suit. Si tu ne pries pas bien aujourd'hui, ta sortie ici sera très fracassante. Le monde n'a jamais traversé une crise comme ça va arriver. J'ai annoncé la maladie que nous venons de traverser. Si j'avais annoncé ça à la RTNC. 2022 veut dire 2, 2, 2, 6 veut dire l'année satanique.
2020, c'est le règne du diable. 6 plus 0, ça fait 6. 2 plus 0, ça fait 2. 2 plus 2, ça fait 4. 4 plus 2, ça fait 6. Le 6 à 66, c'est le chiffre de la bête. Et c'est pourquoi 2022, c'est l'année du diable. Il y a mon boulot 2022, c'est l'année à cette année. Des guerres. Il y a des tombes. Des maladies inexplicables. Vous allez vivre des choses dans le monde que le monde ne peut pas voir. Vous commencez à voir même les femmes qui mangent des caca, des choses. Vous n'avez rien vu. Avant qu'on atteigne le 31 décembre de cette année, il y aura des bilans catastrophiques dans le monde que le monde n'a jamais connu. Je m'en dis pas. Va maintenant. Va annoncer. C'est ma première sortie. Ne viens pas ici comme un spectateur qu'on a loué. Non. Viens ici en tant que quelqu'un qui est venu chercher le Dieu. Le Dieu qui répond. Le Dieu qui guérit. Le Dieu qui sauve. Le Dieu qui peut enlever en toi les catastrophes qui peuvent arriver. Vous allez constater la mort d'une grande personnalité dans les jours qui viennent. Quand vous allez voir ça, il y aura quatre signes qui entreront dans ce pays. Je vais vous expliquer ça à la fin. Chaque personne, tous les jours quand tu rentres chez toi, il y a un signe maléfique qui se fait dans toutes les maisons du monde au moment où je parle. Il y a une visitation qui se fait dans toutes les maisons du monde. Je dis bien toutes les maisons. Le diable fait à peu près plus de 800 millions d'Allemands. C'est dans notre pays. Il y a un grand sacrifice qui se fera aux États-Unis. Il y a un grand sacrifice qui se fera en Europe. Et il y a un grand sacrifice qui se fera en Afrique. Et il y aura des morts à un niveau que tu ne peux pas imaginer. Alors écoutez-moi, chrétien. Vous allez vivre ça d'ici là. Quand on arrivera vers novembre, vous allez constater les choses qui vont se passer. Et tu vas constater toi-même. Corps humain. Chaque fois, tous les vaccins et les choses que nous sommes en train de traverser. Dans chaque maison, fenêtre et porte, il y a des signaux. C'est comme le chiffre 7 mais à l'envers. Donc, si vous renversez, vous allez trouver ça comme L. Mais quelque part, tu vas sentir même une petite fièvre de la personne mère. Ça va commencer à partir du mois d'octobre jusqu'à décembre. Alors, les peuples du monde doivent se préparer en conséquence. Jeune fille ou bébé ou papa, dès que c'est assis, il y a 3000 personnes qui sont ici au Congo, qui sont de la haute hiérarchie du diable. Ils sont en train d'infiltrer les jeunes filles par l'argent, par le sexe, par le travail. Vous allez constater des morts de grands joueurs. Du côté pastoral, vous allez constater une succession de morts. Du côté gouvernement, parlement, sénat, vous allez constater des morts. Et ces choses, quand ils vont arriver, le diable va frapper fort. Nous soyons prêts. Tu vois, quand je suis entré là, je vis dans le figure des jeunes garçons et des jeunes filles. Le chiffre L est là à l'envers. Quand le L entre dans ta vie, c'est un esprit de mort. Tu constateras que les choses vont mourir. Tout ce que tu feras n'a pas d'issue.
vous allez constater que ces jours-ci, pour avoir l'argent, il faut céder à quelque chose. Donc, moi, je dis que pour soi, pour ce que Dieu m'a dit, va dans les nations. Il a dit, je sors dans les croisades. Cette croisade, je n'ai pas voulu faire de bruit. Je voulais vous annoncer. Nous allons faire des grands bruits dans les pays que vous n'allez pas imaginer. Quand on sera massif dans le monde, sera. Je demanderai à Dieu de nous donner même la retransmission de 1 heure pour l'éternité. Parce que là, je vais parler à la nation. Le chiffre L renversé, ça dit sur le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Au lieu que les gens reçoivent le repos, vous allez constater à partir de ce lundi qui commence ici. La vie sera difficile. L'argent disparaîtra. Et vous allez constater des maladies dans chaque maison. Et vous allez constater des morts dans des maisons. Les 3000 représentants qui sont au Congo. 3 mourants. On va constater une maladie dans le chef de ces 3 personnes. Et cette maladie fera peur. Mais ça va disparaître. La deuxième vague viendra. Ça va disparaître. Mais la dernière qui sortira vers le mois d'octobre va créer des désordres dans le monde entier. Et on n'aura pas les médicaments. Écoute-moi bien. Élève ses mains à main droite. Le docteur a dit ici là, le vin Kekene, il a dit quelqu'un est venu, il est mort. C'est ce que vous allez constater tous ces jours-ci. Élève ses mains à main droite. Ayez la foi. Loba Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Fongola Munoko. Loba Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Nayeko Lukayo. Nayeko Lukayo. Nayeko Lukalibiki ya famina pa. Nayeko Lukalibiki ya famina nga. Esprit Nyonso Satan a infiltré dans le monde. Esprit Nyonso Satan a infiltré dans le monde. Na quoi ici à mon avis nga au nom de Jésus. Na quoi ici à mon avis nga au nom de Jésus. Blocage au Satan linga kotisa. Blocage au Satan linga kotisa. Na obima la carte à blocage, la chope m'a la carte à blocage. Wana au nom de Jésus, nous sommes dans une croisade prophétique. Je ne blague jamais dans les prophéties. Je fais pas les manquionnats, je dis des choses que vous écrivez et vous verrez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute-moi bien. Yo kanga malam. Nous allons prier aujourd'hui aussi. Toko sambe la paix sur le lot. Parce que nous sommes dans un processus de guerre. Les gens allaient être surpris. La guerre allait sortir ici. Dans cette capitale ici. Les gens voient les kiffs. Mais le Congo a été infiltré. Kinshasa a été infiltré. Kinshasa c'est quoi ça, maki batumabe? D'ici une semaine, on allait avoir une grande guerre dans la ville. Longwa le loti pocho moko bitumba monere ngete manakati ngumba. Mais Dieu a épargné ça. Tiamba longoli ngumba. Vous allez voir les séquelles. Boko mona bilembo nango. Donnez-moi un amen très puissant. Amen. Les ennemis du Congo ont décidé d'en finir ici. Et comment ceci termine? Et ils sont en train de distraire le Kivu. Mais le vrai problème est ici. Écrivez ça. C'est la nation qui parle. On allait être surpris. J'ai institué cette prière ici. Le sang de nos pères qui sont morts le 4 janvier. Qui aura plié notre sang qui coulera dans cette ville au nom de Jésus. Vous voyez les Rwandais qui nous attaquent là. Vous allez voir ce qui va se passer. Dieu va faire un détour congolais. Quelque chose va se passer. Vous serez étonné de voir le Congo en puissance.
Donnez-moi la main à haute voix. Amen. Le coup qui allait se passer ici. On allait tuer les gens ici dans cette ville. Ou non, on n'allait même pas s'en sortir. Mais Dieu a épargné ça. Mais écrivez. Comment? Vous allez voir Alexis. Amen. Il y aura un groupe d'arrestation. Et vous allez comprendre la prophétie que j'ai donnée aujourd'hui. Ta main en l'air. Dis, Seigneur, nous protégeons notre ville. Seigneur, nous protégeons notre ville. Papa, toujours battre la ville, n'abîme pas Nzela na yo. Papa, toujours battre la ville, n'abîme pas Nzela na yo. Au nom de Jésus. La prière d'aujourd'hui, je veux que ça s'oriente comme ça. Le sang boit le long de la ligne. Il y a deux femmes qui vont être guéries là tout de suite. Vous avez des problèmes très sérieux dans vos santé. Quand je vais parler. Vous allez constater les gens vont être guéris. Vous avez des gens vont être délivrés. Vous avez des gens tombés. Vous avez des gens en train de crier. Vous allez voir les choses qui vont se passer aujourd'hui. Quand tu vas arriver chez toi à la maison, à minuit juste. Tout celui qui est ici, tu vas faire une prière de 7 minutes à minuit. Tu vas casser le chiffre 7 là qui est renfermé par elle. Tu vas acheter une bouteille d'eau quand tu vas rentrer aujourd'hui. Je prierai pour toi. Tu vas jeter cette eau devant ta maison, dans toutes tes fenêtres et dans les toilettes. Tu délivres ta maison. Pour les voisins, parce que d'ici une semaine, les ténèbres est en train de calculer quelque chose qu'il va faire. Ils vont faire cette date. Ne négligez pas ça. Parce que vous allez voir quelque chose va se passer. S'il y avait des choses dans ta maison, tu vas constater des rats qui vont mourir. Tu vas constater des choses qui vont mourir. Vous allez voir des serpents qui vont mourir. Vous allez voir des ils vont mourir. Vous allez voir des fourmis mourir. Et vous allez constater, si tu vois ceci, commencez à prier parce que ta maison a été infectée. Si tu sens des maladies qui commencent dans la maison, ne crains pas. Prends cette eau là, tu vas garder la moitié. Commencez à jeter encore à la maison. Quelque chose va se passer et ta maison sera délivrée. La crise ne te touchera pas parce que Dieu va combattre le fléau par l'eau. Prenez trop d'eau ces jours-ci. Tu bois. Ça, je te donne les idées littéraires. Amen. Dis à haute voix, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Élève tes mains maintenant, sois calme. Je demande aux gens qui ont des maladies inexplicables. Tu prends l'autre main, tu mets là où tu as. Tout celui qui a un problème, un enfant à l'hôpital, un enfant malade à la maison, un problème à la maison. Vous avez vu une pluie hier. Très bref, mais une pluie. Dieu va combattre le monde du ténèbre par l'eau. Vous allez constater ça. Et vous allez comprendre ce que je dis aujourd'hui. Un prophète voit déjà à l'avance ce qui arrive. J'avais annoncé. La maladie là à la RTNC. On m'a coupé l'émission. Le PDG mourant là. Kabila, il a dit remettez l'émission de Denilès. Avant Obandundu. J'ai dit aux Congolais, il y a une maladie qui viendra plus que le sida. C'est venu 6 mois après. Moi, je suis parti au Bandundu. La maladie est arrivée. Le diable a un calcul très mauvais pour la vie de Kinshasa. Nous habitons ici. Aucun sang qui coulera encore ici au nom de Jésus. Nous sommes ici. Là où les sangs ont coulé le 4 janvier. Aujourd'hui, je suis revenu ici.
Les jours où on était ici, il y avait les gens des présidents Kabila qui étaient ici. Aujourd'hui, ces gens ne sont plus là. Il y a d'autres qui sont en exil. Il y a d'autres qui sont dehors. Ils étaient ici. J'avais annoncé quelque chose ici. Mais ils ne m'ont pas compris. Amen, trois fois. Amen. 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 Alors. Prends tes deux mains. Tu lèves, tu mets là où tu as mal. Il y a deux femmes qui vont être guéries maintenant. Il y a un jeune garçon ici. Tu pisses du sang. Tu pisses du sang. Tu vas te guérir là. Après. Il y a une femme. Et l'esprit va remplir. Et tu vas crier. Tu vas commencer à sentir comme la folie. Mais Dieu va t'utiliser. Tu vas dire des choses avant que je termine cette prière. Avant que je clôture le culte d'aujourd'hui. Tu vas dire des choses et les choses vont se réaliser dans ce pays. Tu es malade, tu as un problème, tu es bloqué, enlève la distraction. Mets la main là où tu as mal. Si l'enfant est à l'hôpital ou un frère à l'Europe, il est malade, tu mets la main là où tu veux mettre. L'autre main à l'air. Sois seulement calme. Laissez le Dieu de délai se chercher. Là où tu es, quel que soit le problème que tu as, si tu es de lui, le Dieu. Tu vas sentir le vent là de foi. Et ce vent là va te souffler. Même si tu as le sida. Avant que je prêche, il faut que Dieu guérisse certaines personnes là. Et il y a des gens qui sont venus ici par curiosité. Mais Dieu m'a dit que ces gens là vont se transformer aujourd'hui en un pain de miracle. Vous allez vivre ici avant qu'on sorte ici là. Tu vas vivre des miracles dans ta vie que tu n'as jamais vécu. Je ne te promets pas, mais c'est la réalité. Coupez-moi la musique. Élevez les mains. L'autre main là où tu as mal. Sois seulement concentré. Il y a deux femmes ici. Pour avoir des miracles. Tu vas sentir comme on est en train de t'opérer. Comme si on est en train de t'opérer. C'est comme si on est enlevé quelque chose dans ton corps. Parce qu'il y a une femme ici, parmi les deux là, c'est comme s'il y a un animal qui marche sur toi. Tu as fait beaucoup de temps avec ça. Tu as tout fait. Ça ne marche pas. Ça va sortir maintenant. Le local de la télévision. Et avec un jeune garçon, le flamme de feu va te retrouver. Va te brûler. Va brûler cette histoire-là. Il y a un autre qui est malade. Chaque trois mois tu es malade. Chaque mois tu es malade. Dieu va enlever ça. Tu vas avoir une paix intérieure. Le protocole circulait seulement. J'ai besoin de céder ma maman et un frère. Et qui va recevoir des températures. Tout le monde debout. Hein. Si tu sors, tant pis pour toi. Il y a quelqu'un qui m'a prophétisé en France. Il dit du côté de Pont-Gabi et du côté de Victoire, les diables veulent faire des accidents et veulent tuer quelques personnes. Tu sors quand je dis Amen. 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 Yamba, charge. Je suis venu vous chercher. Je ne prêcherai pas avant que ces gens, ces deux femmes soient guéries. Parce qu'ils sont à la salle. Il y a des choses en vous. Et Dieu va guérir. Il reste la deuxième femme. S'il vous plaît.
Élève les mains. Là où tu es mal, tu touches là où tu as mal. Si ton enfant est là, ce qui moi je dis, tu seras guéri pour toujours. Quand je le signe là, tu es dans une infection infernale. Mais Dieu va te guérir là. Et pour toujours. La deuxième femme est proche. Tu vas sentir le feu comme on est en train de brûler. Et je te dis, cette semence de la mort et de la maladie va disparaître. Sois concentré, ne fais pas de blagues. Ne touche pas la musique, tout le monde debout. Personne ne reste assis. Celui qui n'obéit pas, tant pis pour toi. La deuxième femme, le vent va te secouer. Le protocole circulait seulement. Et vous serez guéri immédiatement. Il y a un jeune garçon, un frère, que Dieu va guérir aussi de cette infection-là. Je vais te dire, après ma prière, tu vas aller pisser, tu vas sentir qu'il n'y a pas du sang. La deuxième femme, je suis certain de voir dans mon visage. Tu trembles déjà de l'intérieur. Tu vas crier comme un enfant. C'est la meilleure délivrance de ta vie. Personne ne va te toucher. Tu vas crier, tu vas sauter comme un bébé. C'est la grande délivrance de ta vie. Et les garçons là qui pissent du sang, tu es en train de sentir dans ta partie intime, c'est comme si on est entré, il y a du piment. Et je vois la deuxième femme. Reçois le miracle. Il y a encore quatre femmes que Dieu veut guérir maintenant. Il veut sauver ta famille. Il veut te libérer aussi. Je lance l'action du Saint-Esprit. Qu'il puisse te libérer aussi au nom de Jésus. Vous voyez ces deux femmes? Leur vie change. Ils sont guéris au nom de Jésus. C'est les choses qui marchent dans leur corps. Dieu les a brûlés maintenant. Est-ce que par courage tu peux commencer à clamer? Amen. Par courage tu peux commencer à clamer. Mon frère, toi qui pisse le sang, tu as souffert de cette infection pendant longtemps. Il est en train de te guérir, jeune frère. Parce que c'est cette maladie-là qui allait t'amener à la mort. À un moment, tu allais dire que c'est un basse ou faux. C'est un problème de votre famille. Les jeunes garçons meurent. C'est ton tour de la mort. J'arrête ça aujourd'hui au nom de Jésus. Avant que je termine ma prédication, je te donne d'aller aux toilettes. Tu verras. Et tu verras que tu es normal. Allez, prenez vos bibles. Laissez ces femmes jusqu'à l'heure derrière opération. Je vais vous montrer les quatre rôles qui m'ont amené ici. Tu sortiras ici. Acte chapitre 16, verset 24, prends la Bible. Restez debout, on lit la parole et puis on va faire quelque chose. On prêche, on prie. Après, quand on va terminer, je vais vous expliquer une chose. Acte 16, 24 au verset 28. Le frère là qui a le problème d'infection. Tu vois les choses qui marchent dans le corps de ces femmes. Ils ont fait des années et des années. Mais c'est parti.
Vous allez comprendre que Dieu nous envoie ici pour libérer le Congo. L'église est en distraction. Amen. Amen. Quelqu'un peut lire? Je vais prêcher en priant. Mon colonel, on va t'imiter. Ne refusez pas. Tu ne vas pas aimer. C'est l'or. Tu vas aller là où on t'a envoyé pour que tu deviennes l'homme le plus riche. Tu vas refuser de rentrer ici. Et quand tu vas rentrer ici, avec plus de 10 maisons, avec des maisons en Europe, et avec les toits sur tes épaules, c'est le prophète des nations qui a parlé. Tu vas sceller cette parole-là. Ça sera un certain le 28. Et on va te dire ça. J'ai dit à Kamen en prison, j'ai dit tu vas sortir. Ah, le piège. L'étoile va te tuer. Mon il y a une femme de ta famille maternelle qui veut faire du mal. Tu fais trop de tentations dans ta vie. Il y a des choses que tu as fait dans ta vie. T'ont fait sacrifier. Je ne peux pas dire ça par respect de toi parce que tu es une jeune fille. Il y a une personne qui ne dit à personne. Mais cette histoire, c'est dans ton cœur. Mais je te dis aujourd'hui. Le Dieu de délivrance va te libérer aujourd'hui. Il y a quelque chose que tu as fait. Quelqu'un t'a fait quelque chose de horrible. Oui, Nengabo. On s'appelle Azoloba. Et tu as dit à Dieu. Fais de moi. Comme ça, moi, si à vos pour que j'aime ma famille. Mais ce problème t'attire toujours vers le bas. Les Kambouana, ils ont ça aussi. Amen. Tu crois en Dieu? On dit Manzambe. Amen. Que cette chose-là peut disparaître. Et là, lis-moi. Amen. Tu comprends ce que j'ai dit? Je ne peux pas dire ça parce que les gens aiment écouter les choses. Mais ça te fait souffrir. J'enlève aujourd'hui cette malédiction. Et cette personne qui t'a fait du mal, je lui restitue la clé. Je te libère aujourd'hui. T'inquiète. Il n'a pas de pouvoir, c'est un sorcier, mais il n'a pas de pouvoir. Comment on peut abîmer une jeune fille comme ça? Et trop tôt, l'enfant a été abîmé. Et elle souffle avec ça. Je dis le Dieu de Delilah, c'est un vrai Dieu. Amen. Cette personne subira. Tu seras riche. Ta famille prospérera. Au travers de toi, tu vas agir. Jésus, ses mains sur toi. Je vais ses mains sur toi. Pour te montrer que tu as l'étoile jaune. Je dépose les dollars sur toi. C'est le symbole de la richesse. Quand tu vas t'élever là aujourd'hui, la personne là tombera malade. Pendant 5 ans, jusqu'à ce que toi tu progresses et tu te retrouveras en Grèce, en Europe, et tu épouseras un blanc et tu reviendras acheter des immeubles ici. Je suis prophète des nations. Celui qui t'a fait du mal là, c'est ce secret là, il n'y a que toi et moi qui connais.
Parce que Dieu m'a révélé ça. J'ai déposé sur toi le symbole de l'or pour montrer que l'argent est sur toi. Tu n'es pas touché. Toi-même avec mon Dieu. Je vais montrer aux gens que les gens qui ne comprennent pas que Dieu existe. Et tu vas te Amen. Satan a contenté yo. Amen. Lelo a contenté yo lelo. Amen. Pour bima. Obimi avant la 6 en appel sa main. Au pas moi maté. Amen. Oh la mon la mondiale. Donc. Oui. Donc, avant que ne allons la team a pécié. Pour prier pour nous. Et ça, la magara na yimika. Encadrez-moi dans la zame de mon aile. Amen. Amen. Vous t'appelez la main à ça? Amen. Alors, le magara mon cœur. La sacolie, tout bon délit, tout qui. Amen. Tod. Mon conjabolo, quoi, si, mon beko, yo. Les jetant dans la prison intérieure. A quoi qui va mon abolo? Paul du diable. Il envoie ses anges pour nous bloquer et nous mettre dans une situation où tu ne peux pas t'en sortir. Pourquoi alors le rôle du feu, le rôle de la puissance? Pourquoi la puissance? Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Une seule chose qui fait peur au diable, c'est la prière et la louange. Amen. Le diable n'a pas peur du titre, des habits, des évêques, tout ça, non. Il a peur de celui qui prie dans la vérité. Et qui adore dans la vérité. Les chaînes aux pieds. C'est ça la mission du diable. Il te place à l'intérieur, là où tu ne peux pas t'en sortir. Et la Bible dit, tout à coup se fit un grand tremblement. C'est ce que j'appelle foi. La Bible dit, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Quand le fondement de la sorcellerie tombe dans ta vie, chaque sorcellerie, chaque magie, chaque sorcellerie familiale a un fondement dans ton corps. Même si tu as reçu Jésus, il y a des fondements, des éléments que le diable met. Il avait l'esprit des morts. Son père, sa mère sont morts. On l'a pris, il est venu en Suisse. Il est devenu fiancé à Cyrus. On l'allait tuer à Cyrus par un coup d'état. Toujours l'esprit de mort continue. Il est parti dans le palais royal. Il a reçu un ordre où tous les juifs doivent mourir. L'esprit de mort l'a suivi jusqu'à la royauté. Tant que les fondements ne tomberont pas, Esther restera avec l'esprit de mort. Malgré qu'elle est reine, l'apparence que tu me montres là ne me fait pas peur. Est-ce que tu es dans le fondement satanique? Esther était reine, mais Esther avait l'esprit de mort. Son père est mort, sa mère est mort. Elle est montée encore à la présidence. On allait tuer son père. Zambé a sa joie qui force spirituelle. Amen. Alati bilama royauté naye a ken amoti et payawa. Amen. Les soldats avaient une licence. Attends mon côté. Allez, guide. Les kaki. Apporte ça. Et faut quoi m'a dit. Yakobi tient pas na. Yakobi. A trois vies au lini. Avec des gens qui sont dans l'hôtel Ayatollah. Deux fois, troisième fois. Aïe, c'est vérité. Aïe, c'est vérité. Aïe, t'as la boutoua les gars. Aïe, roi binani, roi man. Aïe, ok. Dambo, roi azo soit mon pépé. Aïe, pépé. Aïe, pépé. Aïe, pépé. Aïe, pépé. Aïe, pépé. Alors, oui, ma position, sous Zambé, a qu'on crée l'eau et si dans mon roi, l'eau de Piabis, c'était le bon. Bah, dans un aïe, aux oh, violet. Donc, roi, y'a pas de silicabis. T'as la
violer moi maintenant. Pardon maman, limbisa. Ma position à Mounoro. Et qui est côté maman père Kiti. Et ça n'est pas mon autre ça n'est pas. Et tout à l'heure. Donc, je vais te dire ceci. Quand tu es une femme de prière, les fondements sataniques vont s'écraser. Et les portes elles-mêmes feront quoi? Tu ne vas plus forcer. Et les choses s'ouvrent. Ma porte de Dieu, c'est aller. Et c'est comme ça à récupérer. Et la Bible déclare les liens de tous les prisonniers. La Bible déclare les liens de tous les prisonniers furent. Là où tu es, tu peux partager ta gloire avec les autres. La délivrance peut délivrer les autres. Amen. Dans le vide, délivrance l'on peut ressaler. Donc, dans mon Paul. Parce que ma porte est sali. Et moi mais. Bah, tu souviens Mardoché a commis libre. Amen. Israël est commis libre. Amen. Maintenant, prière à Nani. Esther. Ne négligez pas le fondement de la prière. Comment on n'a pas battu la prière? L'adoration et la prière et sont des vrais instruments de la bénédiction. Pourquoi on appelle au sang, les amis, maman, la macassia, l'oyer. Et quand quelqu'un prie, et quand on t'a dit ça, un vent de transformation. Bonjour, même à mon pépé, mon guana. Et qui casse le fondement. Parce que la prière dérange le monde du ténèbre. Ça porte les fondements. Et tant que les fondements ne sont pas cassés. Essaie de devenir elle. Mais n'a jamais cassé le fondement de sa vie. Amen. 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 Je prends l'exemple de Esther. Ruth était une femme Esther. Maman Naomi. Qu'est-ce qui s'est passé? Esprit de mort. Ce sont des incestes. Maintenant la maman Naomi va rentrer. Maman il faut maintenant que Ruth se profite. Parce il a regardé la maman. Attali, maman. Il dit maman est là, il n'a rien. Allez, maman, ça est de l'autre côté. Mais il y a quelque chose que moi je n'aime pas. Ils sont Dieu. Le Dieu d'Israël. Va se briser. Et les portes vont s'ouvrir. Et je vais devenir une femme bénie. L'enfant lui a dit, je n'ai rien. Moi, je n'ai rien de l'autre côté. Et lui, il a vu quelque chose. Dieu de Dieu, quelque chose. Amen. Tu sais, le Congo est mort. Parce que les gens ne voient plus les choses dans les chefs des serviteurs de Dieu. Naomi, il traverse des moments difficiles. Non, il a perdu les enfants. Il a perdu son mari. Mais il n'a pas perdu Dieu. Amen. Amen. Son Dieu est resté intact. Ce n'est pas parce que tu n'as pas le travail que tu n'as pas Dieu. Mais ce n'est pas parce que la fille ici là. Elle est moins chaud, yo. Ma fille, yo. Où est-elle? Azongina dollar. Est-ce que là où il y a qui a calculé? Sors pas mon quête. Ça dit Dieu. Ça peut ouvrir une porte. À quoi font mon écouté? Derrière le branlement. Nasi ma quoi il s'amuse. Avec le corps. Qu'on lui a fait dans son corps. Oh bah ça la gagne tout ton aïe. Il a caché ça. À bomba. Dieu m'a montré. Ça me balaki si. J'ai libéré ça. Nasi qu'on lui a montré. Les portes de finances. Mais pourquoi mis sur les fonds moi? J'ai déposé la zambie. Nasi qui m'ont mis le colon aïe. Parce que les zambies nous ont montré on a période où on a notre cycle à mano. Zambie à ça. À convaincre mon témoin à gagner. Tout le bien mène à autre voie. Amen. Qui ouvre les portes? Nana fonds la gamine. C'est une... À quel moment, quand le fondement satanique de ta famille ou de ta vie s'écroule, il ouvre les portes. Et il ouvre aussi les portes des autres. C'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Akota Israël. Akutana Boazde. Akutana. Abala Boazde. Abala Ye. Mais maman Naïf Sakiye, je n'ai personne. Nana Motote.
Nane lo kote. Oye koti na yosani. Ola nanga. Poma famille yose sani. E kufi. Eske aye maike boa zaza. Te. Amen. Eske pouta yoke nga za. Très bien. Tele mato sambe. Amen. Naligi. Amen. Naligi na mukuse. Amen. O tele. Amen. Tele manan. Amen. Tomo la mabo. Vous ne sentirez pas ça. Mais vous allez comprendre ça. Vous allez écouter à vous joindre. Mais j'ai moi ça la découte. N'a pas besoin de vous parler sur moi. Voilà, découte à vous. Quand tu élèves tes mains, tout le monde élève ses mains. Moi, je suis un peu plus de temps. Pasteur, nous tous élevons. Mon chali, Anzambe, mon dimi. Tout le monde m'a beaucoup de colons. Tu vas dire à Dieu. Au revoir, Anzambe. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on a mis dans mon corps. N'a pas tenu le bachan en sorte en bas. Quel est le fondement qu'on a mis dans mon corps? Attends d'abord. Zéla. Nous, Zéla. Tout le monde d'abord le met à l'aise. Tu vas dire à Dieu. Zéla. Je suis là où on m'a emprisonné. Comme Esther. Le bol Esther. Comme Ruth. Le bol Ruth. On m'a mis les rêves. On m'a mis comme une reine. Mais l'esprit de mort est là. C'est le fondement. Je voudrais que le message ici, c'est ce que le message je vais transférer avec ça. Les amateurs, on est dans le temple de l'amour. Jésus. Ah. Ça bloque et dans la matin ça devient lourd des fois et comme attend ce kilo et la douleur sort vers le dos et pas si en haut et puis maintenant mon combo prends ta main je le bon aïe mais là où tu le sens si mais si on va pas sur un mot comme moi et si ça pique mais ce que bandit passe c'est terrible. Et ça les calme moi. Et deuxièmement, il y a mis balé. Il y a un œil. Il y a un œil sur le mon corps. Ça peut rester comme ça, papa, après un moment. Et quand tu as la bonne action, mon corps. Ça commence à taper. Et ben du coup, bêta. À un moment, ça commence à faire couler là. Tant mon suspect, moi, même si ça commence à voir. Tant que ce soit comme on a passé. Bon, mais l'œil là. L'Iswana. On a placé quelque chose de contrôle. Bachelo, comment vous allez là? On te suit à la lettre. Balande la colitambe mort. Chaque fois que tu veux faire un pas, t'as vu dans ce mot à l'itambe ok. C'est dans cet œil-là qu'on calcule tout ton corps. Et ça n'a ni soin de balander la canzone, ton aïe mobile. Le reste du bras la même, t'as la main. Le bon quoi, tu as dit ça n'a ni là. Si pas ni soin à ma tonne. Je veux maintenant opérer ton corps. Non, ça n'a pas passé. Là où les diables ta vie. Et aujourd'hui même, tu vas avoir un coup de fil. Et ce coup de fil-là va changer l'histoire de ta vie. Amen. Amen. Je suis quand même belle, non? Pourquoi les choses ne marchent pas? Et sous-raté? Amen. La sous-raté, on est là. Amen. On me donne des promesses, ça ne se réalise pas. Parce que là, ici, là, il y a des choses à l'intérieur. Des choses doivent se passer dans son corps. Tu vas sentir quelque chose. Je vais libérer ce tube là dans ton œil. Je vais aller ça sur ton dos. Et je vais enlever ce qu'on a mis dans ton pied là. Maintenant, enlève le bras qui est dans le dos. Et dans le pied. Tiens, tu autorises que je touche le pied? On peut signer un signe malocoloana. Attends, non. Prends l'onction d'huile. N'assume ma foute, n'est pas quoi. N'assigoni locolo. Yamba. Dieu le miracle. Yamba, dis-moi. Seigneur. Laisse-la. Laisse-la. Si, bon, tu cahiers. J'enlève. Dans l'ongoli. Dans ce pied. Dans le colo. Dans l'œil. Dans l'issue. Le symbole satanique. Et le bois satana. Donne la paix.
dans le repos, dans la visibilité, dans le miracle, à cette jeune fille, le coup de fil qu'il va avoir ce soir, donc, Va changer son histoire. Mais Seigneur, on a bloqué son voyage. Pourquoi? Jésus. Alléluia. Moi, l'église, mon nom, a voyagé. Amen. Pardon. Vous l'avez dit? Oh, ça n'est pas mal qui n'a pas de Angola. Madame. Oui. Ma putain, mon livre. Maman, maman. Oui, maman. Maman, Lady. Oui, maman. Mon livre, c'est ici, maman. Merci. Est-ce que tu as clamé pour Dieu? Tu vas mettre la tchamba, ma boko. Cette famille-là. Libotorio. Tu vas la fils là. On va dire que moi, je suis. Elle va voyager. Au Bembuka. Elle va aller en Europe. Au Kenabampu. Elle a la bénédiction. A Janali Pamboli. Tu comprends ça? Au Sosoli Ango. Tu comprends ça? Au Sosoli. Protège-la. Batelaye. Pétage-té. Protégé. Amen. Élevez les mains. Seigneur Jésus. Et loco nion so batien na katia nzoto nanga. Et loco nion so batien na katia nzoto nanga. Na ministère nanga. Na ministère nanga. Na ndaku nanga. Na ndaku nanga. Oezali na socle ya Satan. Oezali na socle ya Satan. Eza na fondement ya kindoki. Eza na fondement ya kindoki. Ata na pasteur. Ata na pasteur. Ata na sali. Ata na sali. Ata na ba problème. Ata na ba problème. Zabe kwe au nom de Jésus. Zabe kwe au nom de Jésus. Le fondement satanique. Fondement satanique. Et tu gagnes ça. Et tu gagnes ça. N'a pas nanga. 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 N'a lobi ojo kweya. N'a lobi ojo kweya. Au nom de Jésus. Sima. Simba, le baba porte au nion c'est kamamaki. Ma porte au nion c'est kamamaki. Naïe le lot. Naïe le lot. Et ça la libre. Et ça la libre. La pouki ma clé satanique. La pouki ma clé satanique. Et kangi finama. Et kangi finama. La mona souté. La mona souté. La simba souté. La simba souté. La fongwa ma souté. La fongwa ma souté. La pouki clé. La pouki clé. Satanique au nom de Jésus. Le baba pouki. La pouki. Le baba pouki. La pouki. Le baba pouki. La pouki. Au nom de Jésus. On est à l'affaire. Je voulais te dire, c'est pas aujourd'hui. Que nous allons prier pour que tout fondement satanique doit quitter ton corps. Amen. Pour que ça, la pomme, on va connaître sa vie. Alléluia. A coquille pour ça, les lots qu'on a vus. Parce que va infiltrer les caméras dans l'issue. Amen. Non seulement caméras dans l'issue, mais va paralyser le colonel à droite. Alléluia. Un jour, on va comme paralyser. Jésus. La robot. Amen. La nini. La robot. La zazemi. Et la robot a commis paralysé. Hola. Mon akoufi, il a commis pas. Seigneur. Crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. La ligui bateau et au bazar à Pemenanga. La ligui bateau bazar à Pemenanga. Famille Nanga. Famille Nanga. Ton monde est la Bible à moi. Ton monde est la Bible à moi. Dans mon prière à Paul et Simbi. Dans mon prière à Paul et Simbi. Allié à Bato Bade. Oya Sapé. Oya Salakapé Menanga. Nakati Basinga. Nakati Basinga. Singa Nyo Sezana Moutoisa Pemenanga. Singa Nyo Sezana Moutoisa Pemenanga. Oye Kokiko Salanga Peretou. Oye Kokiko Salanga Peretou. Nakati à mon nom de Jésus. Nakati à mon nom de Jésus. Nakati. Nakati. Continuez Nakati. Nakati. Va Nakati. Nakati. Continuez Nakati. Nakati, va Nakati, 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 au nom de Jésus. Alléluia. Comment va bien? Amen. La Sissina. Pendant qu'il n'a pas couru, il a été là. Il va bien. Tu le mets à la main à l'autre. Amen. Nazan va me pousser. Nana Sissana. Mon poussier m'a cassé, papa. Alléluia. Tout le monde a le bon encore. Alléluia. Le bas Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Nazo soit puissant, soyo. Nazo soit puissant, soyo. Oye, Kotaka la prison. Oye, Kotaka la prison. Nabimi. Nabimi. Nabimi prison, le long. Nabimi prison, le long. Le bas, oh, prison, n'y a se battre la kinga. Prison, n'y a se battre la kinga. Yalibosho. Yalibosho. Yakadika. Il y a intérieur. Il y a intérieur. Amen. C'est un acte prophétique que tu dois faire. Le je sors. Je sors. Place sur ça. Bima. C'est le mouvement de l'esprit. Amen. C'est le mouvement de l'esprit. Amen. Et puis, t'as voyé ça dans Dieu ton âge. Il y a qu'un élément. Puissance
Amen. 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 Tout le monde qui est à Christ. Montenir sa côtière. Qui que ce soit. Bon salanel. 42 jours d'image. Un coup de fil là, ils ont changé. Amen. Mais t'as bon, non, 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 qui sont dans cette salle. Il y a un. Et j'en ai mon corps. Que Dieu va élever plus que ce que je suis. Quand ce masque est dans tes mains. Connais ça dans ma bourre. Il y a le deuxième qui va avoir un voyage. Alors je m'en bimbo mon corps. Et ce voyage va déclencher toute sa vie. Il y a un autre serviteur de Dieu. Dieu va t'ouvrir une nouvelle relation avec un ministre de Dieu. Et dans cette salle, tu sens que tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Dieu va te donner le saut de la gloire. Tu auras plus de 3000 personnes dans ton église. Dans 6 mois, vous êtes 4. Il y a une servante aussi ici. L'Éternel, Yahweh, va utiliser tes mains pour guérir le femme stérile. Prends ta semence. Prends ta semence. Va distraire parce que Dieu va distribuer à chacun de nous la gloire. Je déclare. Donne-moi lui. Jésus déclare la paix dans sa vie. Au nom de Jésus. J'appelle. Nous commençons la délivrance financière. Dieu m'a béni. Dieu m'a donné l'argent. Dieu m'a donné cette grâce. Quand quelqu'un sort, non déposé sur la chair. C'est pas grave. Ok. J'attends tous les quatre. Non, c'est la parole de Jominei. Je dis, Dieu va ouvrir ton ministère. Les quatre prophéties et la servante. Vous êtes dans cette salle. Voilà. Déposez. Déposez. Attention du ministère. Jésus. Les autres disent, si tu sens la chaleur dans le bras, tu as le don de miracles et guérison. Si tu sens quelque chose, et le komoko, ne freine pas. Parce qu'il y a 20 personnes que Dieu veut libérer maintenant. Même si tu ne mets pas au monde, même si tu ne mets pas au monde, l'Éternel va toucher tout le monde. Le Dieu qui m'a appelé encore, qui m'a renouvelé encore. Alléluia. Amen. J'étais dans la station. Dans la station, je vois un blanc.
Où est le chauffeur? J'étais avec qui? Avec toi. Un blanc. Mondele. Qui vient de nulle part. Il attendait le carburant. Il avance vers moi. Il m'a dit, c'est toi de l'Iles. J'ai dit oui. Il a sorti des dollars dans sa poche. Il m'a donné. Je crois pas en Dieu. Mais Dieu m'a dit qu'il te bénisse. Pour que ma vie change. Un blanc. Mondele. C'était dans la station de Banane. La station Banane. J'ai ouvert, j'ai vu 400 dollars. Il est parti encore, il a pris un 100 dollars et m'a acheté. A quel a juste 100 dollars. Il dit donne-moi ton numéro. Il m'a appelé aujourd'hui. Il m'a appelé aujourd'hui. Il dit j'avais un dossier. Aux finances. On m'a appelé. Je vais avoir l'argent demain. Je vais t'appeler. Je vais te bénir.